Un chasseur. Alors, chasseur, ben, chasseur, quelle technique utilisais toi à l'époque du lâcher les chiens? Comment? Quelle technique tu utilisais à l'époque du lâcher les chiens? Alors là, moi je sais ce qu'il faut que je fasse. Hein. Donc je te demande même pas ton avis en fait. Ouais, moi j'aurais mulligan ça, ça va très bien en fait. Pour moi la technique, ouais, elle est pas compliquée, c'est une créature sur table. Non, moi je me mettais à deux quand même. Enfin, après ça dépend avec quoi tu joues. À deux, jusqu'au tour 5. Et là. Ouais. En utiliser le Chris pour l'instant, autant le garder pour quelque chose. Ouais, puis bon, le Chris, on peut le finir dans le pire des cas, c'est si jamais il lui reste deux points de vie, on peut toujours faire un Chris sur le gnome lépreux. Ça m'est déjà arrivé de gagner des parties comme ça. Ouais. Ou avec une attaque sournoise, tu sais, tu finis ton truc, bon. Ah mais il manque deux points de truc, comment je fais? Ouais, c'est pas grave, une attaque sournoise dessus. Mais là, on est tour 2 et... Qu'est-ce qu'il nous fait pour... Okay. Oh sérieux, il claque la pièce juste pour faire le pouvoir? Et dame et dame? Ah non. Il peut optimiser son mana, ça veut dire que le tour d'après, il faut s'attendre à un compagnon animal, j'imagine. Le compagnon animal, il va prendre... Oui. Il a qu'à venir. Exactement. Puis dans le pire des cas, on lui aura son nom. Il n'y aura pas d'autre. Mais ça alors, compagnon animal, j'annonce d'entrée, c'est Misha. Non, allez, ce sera le sanglier. Ah. C'est pas grave, tu te files 5 patates dans la tête, moi ça me va. Ouais, voilà. Un crise dans ta tête et le meneur des pièces sur table. Et une carte et demie pour tuer ça, exactement. Chris, yes. C'est dommage de pas avoir le pas de l'ombre. Si j'ai le pas de l'ombre le tour d'après, c'est nickel. Parce que là, généralement, ce qu'ils font... J'avais annoncé Misha sur le... Vas-y, mets-en encore une. Non, tu veux pas? Non, il a pas assez de mana. Mais moi, ça sent le sap à plein nez, tout ça. Est-ce qu'on a somme? Ouais, on a somme. Amasseur du but. Elle coûte déjà combien son Misha s'il doit la reposer? 3. C'est 3 aussi, hein. Ouais. Donc ça fait 3. Il faudrait qu'il la repose. Et le tour d'après. Et il remet son pouvoir. Le tour d'après, il va la reposer et mettre son pouvoir. Exactement. Donc du coup, on pourra lancer le golem, l'amasseur de butin et une attaque sournoise. Donc du coup là on fait quoi? On assomme, pouvoir assommer Chris amasseur du butin. Non, assommer amasseur du butin. Ouais, comme ça oui t'as raison. Dans le pire des cas, si jamais il nous met un piège explosif, on a quand même une pioche. Voilà. À moins qu'est-ce qu'il aurait en tour 5. Il a rien en tour 5. À moins qu'il fasse son combo pour aller piocher des cartes, mais. Pas trop dans son intérêt là. Voilà, Misha pouvoir. Oh, surprise. Pistage. Oh, pistage, ok. Ce qui est malheureux parce qu'il aurait mieux fait de faire le pistage avant. Ça aurait peut-être ouvert d'autres possibilités. Parce que là, du coup, il a un mana qui est perdu. Bon, il met une deuxième. Ah, mais. Ce qui change rien parce que là, du coup, Chris éviscération. Ou un fait éviscération. Ah. Chris éviscération, hein. Écris ses viscérations, ouais. De toute façon, les 4 points de dégâts de l'éviscération, tu lui les mets avec tes deux bestioles, donc. Tu lui remets même un autre coup. Ah, ou un assommé. J'ai un assommé qui vient de tomber. Tu aurais presque plutôt envie de lui assommer en fait. À mon avis, ouais. Ouais. Et ça me fait 8 de dégâts. Ouais, on va plutôt lui assommer. Et on se fait la dague. Exactement. On va lui garder l'éviscération pour sa petite primousse. Ben ouais, parce que là il va se dire, ça fait deux fois qu'il nous l'a fait remonter dans la main, on lui fait perdre un petit peu de temps. Là on est toujours atteint de... Il va en renvoquer un autre. Oh non. Ouais, il veut traiter les créatures. Il nous fait piocher. Attends. Oh mon dieu, on peut le faire. On peut le faire, trop oui. Bien. Oh, on peut le faire. Oh, le finish comme il va me plaire, ce finish. Oh.
C'est, t'es d'accord, hein, on le fait. Oui, on oui, fait, oui, on oui, fait 7, clair. 8, 9. Oh là là, comment il va être, comment il va être mal. Ah, il va être triste. Oh, j'adore ce finish. Oh, j'adore ce finish. J'adore. Je crois que c'est la première fois que je le finis comme ça. Oh, je surkiffe cette finale. Ah, tout dans notre sens, là, ça fait plaisir. Oh, j'adore. Oh, le mec doit être mad. Se dire, non, finir comme ça, non. Oh, trop bien. Bolly, suivante. Un chaman, c'est peut-être le match-up le plus compliqué. Pour marteau du destin. Ouais, bah ça dépend. Les loups. Les loups, c'est horrible. Les loups, c'est horrible. Il me met les loups, je suis mort. Donc l'assommé, je suis obligé de le garder. Le roi que le froid de lumière, il peut être vraiment un double tranchant parce que du coup, il va aller se les chercher. Exactement. Mais limite. Presque le gomme des pros, j'ai envie de le faire partir histoire d'être certain d'avoir le défias et j'ai besoin d'avoir de la pioche. Ouais, mais moi je le garderai quand même. Et je virerai l'assommé parce que tour 1 t'as pas en. Ouais, mais je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Hein. C'est ça le problème. Hein. On le vire. Ah bah c'est le jeu de cartes. Hein, on va essayer. On va partir du postillat qu'il a autant de chance que nous et qu'il aura pas ses loups, mais il va les avoir. Parce que dans ce deck là t'as pas de poison. Non. J'ai pas de poison, j'ai pas d'éventail de couteau, j'ai pas d'éviscération. Ah ouais, j'ai pas de déluge de lame. Mais c'est chaud, mais ouais. Le truc qu'il y a, c'est que pendant un moment, j'avais essayé de composer le deck pour essayer d'attaquer en zone. Et en fait, je me suis rendu compte que ben, tu passes pas en fait. Parce que après, t'as plus la percussion pour venir faire des finishes comme ça et venir finir tour 6, tour 7. Et le problème, c'est que ben, le chaman, rien qu'avec les loups, il te gère la table. En fait. Mais deux loups, c'est terminé. Ouais, c'est justement pour ça que... T'es d'accord avec moi, poison... qui est ce berserker? Ouais. Gardez le gnome pour comboter quelque chose. Là, le tour d'après, c'est... on tape dedans, on fait la dague, on lui pète l'autre. Exactement. Et là, c'est top parce que à ce tour-ci, il est pratiquement déjà oublié de nous envoyer un éclat. Ou une croc-croc. Donc c'est déjà le croc-croc, c'est un finish à moins ce qu'on va avoir. Dag, on tape dedans. Ou à ma soeur. Ouais. Non, Dag tape dedans, puis le tour d'après, on lui met. Ouais, la ma soeur est toujours intéressant pour lui chercher un totem. Pour aller en trade une avec son... Ah non, bah... En espérant qu'il mette pas ses loups maintenant. Oh, tour 3, ça fait mal les loups. Ça fait mal surtout quand tu les as en main. Ok, c'est gérable. Non, ça en fait, généralement, je le gère pas. Non, exactement. Donc, les deux petits gnomes, je dirais. Et finir son argent avec la dague. Ouais, ça me va. Je peux faire un jet de besoin, s'il vous plaît. Mind if I roll it. Ah bah ça, c'est fort par rapport au VO et VF, notamment par rapport à la masseur de butin. La voix, t'as vraiment l'impression que c'est la même personne qui a fait la voix. Oui. Des deux. C'est assez. C'est ça que j'adore avec Blizzard, c'est qu'ils se donnent vraiment de la peine pour les traductions et les doublages. Je crois qu'ils vont nous envoyer un Orion. Oh, c'est gaspillé ça. Ça va être mieux. Assez bizarre. Hein, c'est pas très plaisant pour nous, mais c'est gérable. Bah si, je fais dague, je tape dedans, il appuie le truc, je lui pète l'autre. Il faut le faire lui-même. Ah bah si en plus il le fait lui-même, moi ça me va. Ah bah très bien. Ah ça peut changer la donne. Bah de toute façon. Y'a pas photo, ce sera dague sur le. Ouais, on peut pas se permettre de mettre le mucla maintenant, de toute façon. Donc, là, c'est dague sur. Le mucla, le problème, c'est que maintenant, il est trop tard, il va me rester dans la même parce que je vais toujours avoir peur qu'il me pose les loups et qu'il vienne mettre exactement. De bananes sur les loups. Exactement. Du coup. Ouais, non, je suis déjà trop. Voilà. Et non, non. Est-ce qu'on mettrait pas le mage? Oui, pour lui forcer le trade. C'est juste histoire de lui donner faim et d'avoir de la pioche.
Parce que là, le problème, c'est qu'il va se dire Tempête de Foudre, il peut pas la faire. Parce que ça me fait piocher deux cartes, c'est trop chiant pour lui. Enfin, c'est trop chiant, il peut le faire, mais il me donne beaucoup plus d'avantages. Il va me donner deux cartes pour un potentiel d'attaque de 4, de 3. Non, puis de toute façon, là, t'es obligé de jouer quelque chose et de brasser un peu ton deck, donc... Ouais. Non, non, c'était... j'aurais fait pareil. Et il réfléchit. Moi, à sa place, je sacrifie ça de... Oh, il fait péter une tempête de foudre pour ça. En même temps, il a trois cartes dans les mains. Il se dit que tu vas pas trop étendre ton deck plus que ça, donc... J'ai deux pas de l'ombre. Oh. Moi, ce que je ferais, c'est je vais taper dans la 2-1, un Chris sur celle-là et agent du SI7 pour la finir. Et il restera une créature qui pourra rien en faire. Une 1-1, voilà, exactement, ouais. Un peu gâché, deux pas de l'ombre maintenant. Non, mais c'est surtout qu'après, j'ai pas de quoi le reposer en fait. Dans l'optique, enfin, t'aurais pu le jouer. Dans l'optique où je fais pas le Chris. Jouer, pas de l'ombre, jouer, mais bon. Justement, c'est un peu gâché, un peu du gâchis. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que regarde mes points de vie, regarde ses points de vie à lui. C'est un très mauvais match-up, le chaman. Oh, sérieux, un chaman qui joue avec le même sombre fer. C'est vraiment chelou. Oh, Oracle Mucla. Moi, j'assommerais... Mucla assommé. Ouais. Sinon, les bananes, il va en utiliser une sur lui pour te trade ton Mucla. Tu vas lui donner... Là, il a que 3 cartes, hein, donc... Mais t'as raison, l'éviscération, il faut la garder si jamais il nous pose les loups. Voilà. Ah ouais, ouais. Assommer Mucla, ouais. Faut essayer comme ça, quoi. Et là, ceci dit, si jamais on a une charge qui arrive derrière, on peut faire... on peut saccager le tout, quoi. Ouais, ça peut faire vraiment mal, ouais. Parce que si on a un golem arcanique qui arrive, on a déjà 12. Non, on n'a pas le fini. Oh, sérieux, commandant d'argent, banane. Ah, puis banane, quoi. Il a tout pour répondre. Mais oui. Il a tout pour répondre. On est obligé d'oracle. Ou bien gnome. Non, j'en voudrais pas une éviscération dessus. Bah, tu veux t'en occuper comment? 5 points de dégâts dans ta Je vais le laisser sur la table et j'ai pas le choix. Si je fais partir l'éviscération, je m'enlève un truc du finish. Et on l'a pas fait descendre suffisamment de points de vie et on est déjà tour 7. Bon, ceci dit, ça change la donne parce que là, effectivement, on vient de récupérer un deuxième sang-froid. Donc là. Il y a des fiasses. Espérons qu'il ait pas sa deuxième tempête. Pour 18 cartes, statistiquement parlant, il devrait pas l'avoir. Clair, ouais. C'est-à-dire que 18 cartes, il a même pas brassé la moitié de son deck, non. Comme il y en a deux, normalement il devrait pas l'avoir. Et il a. Voilà, non, bien joué. Bah ouais. J'ai hésité, et juste pour ça, j'ai hésité à faire un pas de l'ombre sur un des défiasses. Le mec a quand même le tirage parfait, qui à chaque fois. Bon bah pas trop le choix, ça fait... Gnome Défias. Gnome Défias, armé et dans tes dents. Et on, voilà. On croise les doigts pour le tour d'après, qu'il pose pas un. Faut qu'il mette pas de taunt. Il va poser les loups. Dans la tête et qu'on ait une. Qu'on ait un golem arcanique. Allez, il y a 3 conditions là. Alors, le golem arcanique là, il nous fait quand même 20 de dégâts. Non, ouais. Tant, si. On fait 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Ouais, c'est ça. Il nous fait 20, sachant qu'il a 23 points de vie, puisqu'il y a le gnome. Voilà. Tain, c'est okay, un top deck le golem arcanique. Tout dans notre tête. Même si jamais il en laisse une. S'il laisse une créature sur la table, on a 2 points de dégâts, j'ai ma dague. Donc on a 22 dégâts, ah ouais, sachant que le gnome lépreux, on lui fait tomber à 23. Ouais. Si on top deck une charge, il est mort. A plus forte raison maintenant.
Non, il a pas une troisième tempête de foudre. Non. Faut pas abuser. Bon, déjà pour un, il peut rien faire d'autre. Peut-être à la limite un Orion sur le gnome. Il peut en tuer un. Là, enfin, il a pas attaqué avec son golem encore. Banane, ouais, il va tout mettre pour aller au kill ou quoi. Non, il tue, il va trade l'autre. Le golem. Ah, on n'a pas le golem. Fluc. Ah. J'ai pas le choix, je suis obligé de faire une attaque sournoise. Moi, ce que je ferais, franchement, au point où t'en es. On peut claquer nos 200 francs maintenant. On a plein de mana, donc attaque sournoise sur le. Le matin, commandant d'argent, il reste. Là, sur la table, il a quand même 7 de dégâts. Oui, il suffit qu'il ait une arme croc-croc. Et ouais, commandant d'argent. Donc attaque sournois sur le commandant d'argent, tu le trades avec le lépreux. Et j'envoie tout avec le défias. Voilà. Et on croise les doigts d'avoir une charge après, c'est pas con. Exactement. C'est pas con. C'est un méchant défias, ça. On a 12 tout pile. Faut prier quoi. 12-12, on a une plus grosse créature que toi, il peut pas se permettre, t'as raison. Là il est obligé d'envoyer quelque chose, il est obligé d'envoyer un éclair. Alors, attends, il a quand même déjà eu les deux tempêtes de foudre, il a déjà eu un éclair. Il a et brassé que la moitié de son deck, si jamais il a le deuxième éclair là. Bon, il a trade avec celle-là, la pioche je m'en fous parce que de toute façon tous jouent ouais, à ce tour-ci. C'est pas pour ce tour-là, exactement. Pas le taunt, pas le taunt, c'est bon. Yes, ok. Mais tu vas me l'envoyer une charge, sérieux? On a brassé plus la moitié du deck. J'en ai 3 cartes de charge. Oui, allez. Non, c'est pas fini. Allez, dans ta face, juste pour le précieux. Allez. Oui. Oh, t'es sérieux, quoi. Ah, ce deck, quand il passe, il est génial. Non, mais attends, et le mec a quand même eu le tirage de folie. Hein. Ah oui, et là, il est en train de se dire, non, mais il a pas les deux pales d'ombre. Bah si. Anciennement, ce deck, il faut le savoir, il s'appelait Galop de l'ombre. Yes. Nice. Ah, celle-là était très belle aussi. Celle-là était très 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 belle. Ah, c'est joli, ouais. Ouais. Bim. Allez, encore. Ouais. Allez! Non, ça fera 4 victoires et. À qui le tour maintenant? Au suivant!